I like my yummy yellow. In the ass feel like jello. Shorty like skinny tatties. Ass fat so I grabbed it. I gave it a stick and I lashed it. No rubber, no plastic. I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. I love you for les amis, aujourd'hui très grosse journée. Demain c'est le départ pour la Mecque, comme vous le savez. Très grosse journée parce que là je vais récupérer ma voiture chez Mercedes. On doit aller faire les tests PCR. J'avais changé les paquets de frein et tout ça chez Mercedes. Et là on va faire le test PCR au Luxembourg. Là tout de suite je récupère mes petits frères à l'école. Ils ont fini l'école à 11h. Il est 11h05. Voilà, grosse journée. Et pour tous ceux qui m'ont demandé, oui, pour aller à la Mecque, faut être vacciné et avoir le QR code, enfin le PCR quoi, avec QR code. Il y a des PCR à Dubaï par exemple où il n'y a pas de QR code, et là il faut vraiment le QR code sinon on ne te laisse pas passer. Et du coup, Inch'Allah, qu'on soit tous négatifs et qu'on puisse tous partir. Faites des doigts pour nous avant qu'on parte. Bon les amis, j'ai une très bonne annonce à vous annoncer. Je vais laisser un petit suspense parce que là, voilà, on est tous contents avec toute ma famille là. Mes petits frères, mon cousin, ma mère, on est tous très très contents. Alhamdulillah. Une très très bonne nouvelle. Non, c'est pas le test est négatif, c'est pas ça. Mais très très grosse nouvelle et très très bonne nouvelle que je tenais à vous partager à tous. Et que plus personne pour ouvrir sa bouche. Surtout des gens qui sont malsains, mal-être et qui sont malveillants, voilà, méchants. Il n'y a plus personne qui pourra rien dire parce que tout est officiel. Je vous annonce la nouvelle très bientôt. Félicitations Dylan! Ouais, bravo Dylan! Félicitations, l'association est créée, c'est officiel. Je t'ai envoyé le mail qu'on a reçu. Je suis trop contente, bisous! Yes, Sandra, bien joué, merci! Ah, c'est trop cool! C'est une bonne nouvelle, hein! C'est une très très bonne nouvelle! Merci beaucoup, Dieu merci, Alhamdulillah! L'association est officiellement créée, je suis très fier et je vais l'annoncer à ma communauté. Très fier de leur annoncer ça. I like my yummy yellow. In the feel like jello. Shorty like skinny tatties. Fast so I grabbed it. I gave it a stick and I lashed it. No rubber, no plastic. Mundir, il prend son téléphone et il dit: Dylan, il va au Sénégal pour s'enrichir sur des pauvres africains et sur des musulmans. T'imagines comment ça aurait pu être grave? Mais c'est des propos, je peux me faire assassiner pour ça. Je vais dans un pays africain. Bon les amis, très 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 bonne nouvelle. Toute la famille est négative. C'était vraiment important pour nous parce que voilà, on a été faire le test, j'ai eu le résultat là maintenant à l'instant. Tariq, t'es négatif, enlève ton pouce. Elsa, t'es négatif. Ils sont fatigués les pauvres, ils ont été ce matin tout à l'école. Et depuis quelques mois, on n'arrête pas les allers-retours et tout ça. Mais en tout cas, on est tous négatifs. Merci pour vos doigts. J'oublierai pas la communauté, j'oublierai pas nos frères Ouïghours, j'oublierai pas les enfants de ce monde qui n'ont pas de quoi boire ou de manger comme il se doit. J'oublierai pas tous nos malades, j'oublierai pas tous nos frères et sœurs, vous qui me soutenez au quotidien. Je ferai des doigts pour tout le monde. Barakallahu à tous. En tout cas, les amis, sachez que je suis très très fier. J'ai l'impression que je me dirige vers un autre chemin. Et je suis très 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 fier de ce qui se passe. Je suis très fier de cette association aussi. Je suis ravi. N'hésitez pas à suivre l'Instagram de l'association. Prochain voyage, c'est le 10 janvier à Madagascar. Et il y aura aussi des choses qui vont se passer très prochainement en France. Je vous en dirai plus au moment venu. En tout cas, n'hésitez pas à donner de la force et suivre cet Instagram parce que ça sera que sur l'association, il n'y aura rien d'autre dessus. Comme vous le savez, les travaux vont bientôt commencer. Ici, il y a notre collègue de chez Zen Cuisine. Voilà, il est là. Zen Cuisine, il s'est déplacé
à la maison. Et là, on est en train de choisir la cuisine sur mesure. Vraiment tout, tout sur mesure. Regardez, il y a des cuisines vraiment incroyables. Voilà, on va la choisir ici et ils vont l'installer dans les prochaines semaines. On va la commander, on va faire vraiment un truc sur mesure. En bois, un peu blanc, un peu de la campagne. Vu qu'on habite à la campagne, ça va être magnifique. J'ai hâte de vous faire découvrir tous ces moments-là, tous ces moments qu'on va partager. Voilà, maman, elle est là, on est content. On va faire un truc vraiment sur mesure ici, on va tout découper, tout. Ça va être incroyable. On va prendre toutes les dimensions. Très content, les amis, je suis très très content là. Il y a Zen Cuisine. Voilà, ils sont déplacés pour prendre les mesures et faire une cuisine sur mesure. Là, on va changer toute la maison. Je suis content, ils vont commander là la cuisine. Là, il est en train de prendre les mesures. Je suis vraiment content parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Que ça soit voilà les travaux de la maison qui vont commencer, la situation qui est officielle, le voyage à la Mecque. On est tous négatifs. C'est vraiment des très très bonnes nouvelles. Je suis vraiment très très content. J'aime ce genre de bonnes nouvelles. Et merci à Zen Cuisine parce qu'ils sont incroyables. Ouh là là les amis, je suis très content là. Petit cadeau d'anniversaire. On commence par le premier cadeau. Premier cadeau, je te laisse déballer, voilà. Allez, hop, on y va. Amandine, aide maman. Attends, on va voir c'est pas un gros type. Je pense que tu sais déjà c'est quoi. Oula. C'est pas le cadeau. Ça se voit direct. Des petits souvenirs à Dubaï. Waouh, trop cool. Ah ben on va laisser dans la ville. Oui. Tu veux ce cadeau-là? C'est la mec, j'ai pensé à le mettre dans la salle de prière, ça peut être pas mal. Oui. C'est une abonnée qui l'a fait. Oh, merci. Pas mal, hein? Merci beaucoup. On va le mettre dans la salle de prière, ouais, c'est la mec. Ouais, ouais, trop bien, trop bien. Tu veux celui-là? Je prends tout. Le premier cadeau. Attends, mais la vraie question c'est... Je prends ouais. Aussi. Ah non, tu veux ça de moi? Ah non. Une photo de moi. Tu non, veux ça de moi? Dans ta chambre. Laisse, tu le vois. Bon, ça, j'hésite à le donner à ma mère. Je ou... prends. Je non, prends. Non, attends. Ça, j'hésite à le donner à ma mère ou à le ramener à Dubaï. J'hésite. Et c'est quoi? Parce que le truc, c'est que vous êtes entre vous, vous êtes tous les quatre, mais moi à Dubaï, je suis tout seul. Ah ouais. Et celle-là, ça me tient vraiment à cœur ce truc-là. Ouais. Du coup, entre vous, vous êtes tous les quatre, mais moi à Dubaï, je suis tout seul. Ah ouais, ouais. Et celle-là, ça me tient vraiment à cœur ce truc-là. Ouais. Du coup, j'hésite. Okay. Alors, on va demander à ma communauté, est-ce que je le donne à ma mère ou est-ce que je le garde pour moi? Je vais mettre... Non, moi bon, attention. Un autre petit cadeau. Ça, c'est pour maman. Ça a été fait aussi par un ami à moi. D'ailleurs, je vous donnerai son Instagram. Il a fait ça pour ma mère. Attention. Et pour mes petits frères. Au crayon, hein. Magnifique. C'est dessiné au crayon, hein. C'est vous. Super beau. Trop, trop beau. Bien sûr, c'est le meilleur d'elle. C'est vous, les gars. C'est vous. La classe. C'est fait au crayon, t'imagines? C'est magnifique. Les amis, ça, c'est un... C'est vraiment, regardez le talent. Je vais le donner, je vais donner l'Instagram de la personne qui a fait ça, parce que c'est pas un cadeau de ma part, c'est le cadeau d'un ami à moi sur Instagram. T'as vu, c'est beau, hein. T'imagines le crayon? Bon, les amis. Je vous mets l'Instagram de ma prétendante qui s'est occupée de moi durant ce petit séjour. Regardez comme elle est gentille. Bon, je ne sais pas si on sera ensemble ou pas. En tout cas, si jamais on n'est pas ensemble, je vous mets sur Instagram juste ici. Et si jamais on est ensemble, je ne partagerai pas cette vidéo. Stop. Down over.
t'ai fait un petit message avant de prendre la route quand même, parce que j'ai quitté l'aventure aujourd'hui. C'était une belle aventure malgré tout. Toutes mes aventures sont des belles expériences. Après, c'est vrai que j'ai pas été totalement honnête avec mes prétendantes, je le sais, mais en tout cas, j'ai fait de très belles rencontres. Soraya, ça reste une amie. Voilà, au début, j'ai pensé qu'il y aurait eu un petit coup de cœur, il y a eu un petit feeling, mais après, ça s'est défait autant de son côté que du mien. Et l'autre prétendante, pas besoin d'en parler. Mais en tout cas, de très belles rencontres. J'ai été fidèle à mes frères, en tout cas, ça c'est sûr. Nathan, t'es mon gars sûr. Hicham, ça bouge pas. Ilan, c'était mes gars d'aventure. On était ensemble. Grosse force à vous, les gars. On est ensemble, ça bougera pas. Et dans l'aventure, comme à l'extérieur de l'aventure, on est des amis. Parce que quand on est pote avec quelqu'un dans l'aventure, on les pote aussi à l'extérieur. Soraya, c'est une pote de l'extérieur aussi. Je suis pas le genre de mec qui se fait pote dans l'aventure et à l'extérieur, il calcule app. Moi, voilà, Nathan, t'es mon gars. Ilan, c'est mon pote malgré tout. Concernant les princesses, trois belles rencontres, vraiment. Que ça soit Isabeau, que je connaissais pas du tout. Très belle rencontre, une femme incroyable. Léna aussi. Beaucoup, beaucoup de respect envers toi, Léna, pour la femme que t'es. Et j'ai hâte de découvrir la suite de ton histoire. Et Yoli, t'es une femme très, très cool que je connaissais pas du tout. Ni de la télé, ni de l'extérieur. Et trois princesses incroyables. Je suis ravi d'avoir fait votre rencontre, les filles. Je vous fais des bisous et à bientôt.